Souvent, dans la rupture amoureuse, vous êtes en surobservation vis-à-vis de votre ex. Pourquoi il ou elle a dit cela? Pourquoi fait-il ou fait-elle cela? Pourquoi il a mis ou elle a mis ce post sur Facebook? Vous vous questionnez sans arrêt et du coup, vous êtes en réaction sur chacun de ces faits et gestes au lieu d'agir pour votre reconquête. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D et dans cette vidéo, nous allons voir comprendre les réactions de votre ex. Je sais que pour certains ou certaines, cela peut paraître surprenant. En effet, votre ex vous disait encore il y a quelques jours, seulement quelques semaines, à quel point il ou elle était heureux avec vous. Et vous ne le reconnaissez plus à l'issue de la rupture. Cependant, vous commettez une erreur majeure. Vous êtes en réaction vis-à-vis de votre ex. Car vous interprétez ces mouvements en fonction de vos lunettes du monde et non pas des siennes. Ne pas comprendre son ex est une erreur fréquente qui vous empêche de le ou la récupérer. Car vous voyez la situation avec un prisme déformant sur la situation. Il est fort à parier que votre ex ne voit pas du tout la situation du même regard que le vôtre. Ainsi, décryptez sa vision du monde et vous avancerez à grands pas vers votre reconquête. Je vais vous aider dans cette vidéo au travers de trois grands axes que votre ex voit actuellement. Première clé, votre ex n'est pas plus heureux ou plus heureuse que vous de la situation. Vous souffrez, je le sais, mais rassurez-vous. Malgré les apparences, votre ex n'est pas ravi de la situation. Il a dû annoncer à tout le monde votre séparation. Et pour lui ou pour elle, cette relation est un échec. Donc même si cette personne est à l'initiative de cette rupture, je peux vous dire que votre ex n'est pas ravi de cette situation. Il peut arriver que les premiers jours soient vécus comme une délivrance suite à un malaise dans le couple. Mais très rapidement, cette délivrance va laisser place à des questionnements. Deuxièmement, votre ex, actuellement, pense que vous n'êtes pas compatible. Vous avez vécu une relation d'une certaine durée. Grosso modo, la rupture sonne comme la fin d'une période d'essai que vous n'avez pas rempli assez positivement. Votre ex ne vous a pas quitté un matin en se réveillant de mauvaise humeur en se disant « je la quitte ou je le quitte ». Non. Votre ex a jugé de la pertinence ou non de la poursuite de la relation et l'a jugé à tort ou à raison comme incompatible. À nous d'agir pour le ou la faire changer d'avis. Troisième moment, votre ex va montrer à tout le monde qu'il a pris la bonne décision. Votre ex vous a quitté, il doit faire face au regard des autres, à sa famille, à ses amis, et même maintenant avec les réseaux sociaux où les ruptures s'affichent comme les photos de petits chats. Ainsi, il doit montrer qu'il ou elle a pris la bonne décision, et doit donc montrer un visage positif. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'un changement de tenue vestimentaire ou capillaire arrive dans ce moment-là, symbole d'une nouvelle vie. Votre ex peut être malheureux ou malheureuse, mais sourire sur les photos afin d'afficher aux yeux de son entourage qu'il a pris la bonne décision est essentiel. Pour récupérer son ex, il faut comprendre son ex et ne pas réagir à ses moindres faits et gestes, mais plutôt se concentrer sur les actions qui vont faire basculer sa décision du bon côté. Comment ? 1. En lui montrant que nous sommes compatibles. Votre ex juge actuellement que vous êtes incompatible, alors montrez-lui le contraire. Deuxièmement, montrez son changement de philosophie et qu'il est durable dans le temps. Si vous avez une question, n'hésitez pas à prendre une séance coaching en lien dans la description plus bas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager avec vos amis et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de James D.